Hey, salut à tous, salut à toutes, c'est Dirk36 pour un nouvel épisode sur XCOM. On en était resté avec une petite mission du conseil, on avait pu réussir une exfiltration, et puis finalement on n'a pas beaucoup avancé dans la timeline, alors c'est ce qu'on va faire maintenant parce que les choses n'ont pas véritablement changé. Voilà, on va continuer en un générateur. Alors j'espère que je vais pas avoir un truc trop hardcore parce que... Attendez, je vous montre vite. Je vérifie avant de commencer, et là, voilà. La moitié de mes soldats à peu près expérimentés, la moitié des trois quarts, qui sont à l'infirmerie. Il y en a qui vient de revenir, bah c'est Shannan, bien, bon retour Shannan. Les autres, il y en a pour encore un jour pour Gasparato, 6, 5, 11 jours pour les autres. Donc j'espère qu'ils vont me laisser tranquille, ou... Parce que là c'est... voilà, je suis pas full... Oh putain... C'est quoi ce bordel? Les extraterrestres semblent s'attaquer directement aux civils. Leur tactique semble avoir changé. Mais pourquoi? Que font-ils? C'est un message disant au monde entier que rien ne les arrêtera. Là, c'est Independence Day, quoi. Les petits gris déconnent plus. Bon. C'est pas tout à fait ce qu'il me fallait, vu l'état de mes soldats. Ça, c'est... Il y a des missions dans les villes, faut aller sauver des gens, c'est... Aïe, 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 aïe. À ta place, j'irai pas voir ce qui se passe, hein, franchement. Ouais. D'accord. Oui, je m'en souviens de ces araignées. Il faut surtout pas qu'elles s'approchent, sinon elles vous défoncent, elles vous one-shot. Oh là là. Bon. Bah, on y va à la fleur au fusil. J'espère qu'il y a au moins Gasparato. Voilà, lui, il est revenu. Attendez, il est sapeur. Donc. Je vais prendre le medikit. Ça, bah voilà, on a une recrue. Deuxième classe Klein, qui est snipeuse. Oui, nos deux snipeuses. Le sapeur et puis le grenadier. Ok. Ok, ok. Bah, on va lancer la mission. Ah, c'est juste aux States, à côté de la base, tranquillou. C'est à côté de la maison. Cette opération va se dérouler au Canada. Canada. On a reçu des rapports d'activité. Et pas au Québec, hein, n'est-ce pas? Centrale ici Rapace, liaison confirmée. L'équipe Strike est en position. Surtout ne pas choper d'araignée. Bien reçu. Alors, Strike One Alpha Dim, tu vas aller les par là. En priorité. Faites tout votre possible pour les protéger. On va lancer un détecteur. C'est vrai, j'ai chopé ça. Balayage de la zone en cours. Moi qui espérais pouvoir entre les différentes espèces d'extraterrestres. Il va falloir qu'on se les snipe. Ce spécimen ne ressemble en rien aux autres. Ils ont formé une armée vraiment disparate. Si je me mets par là, je suis à couvert. Ok. Vigilant. Deuxième snipe. Par là. En position défensive, c'est vrai. Ah bah oui, j'ai pas encore les spécialisations. Où est-ce que je pourrais courir? Ouais, je peux aller jusque là sûrement. J'allais dire comme ça je peux balancer du rocket, mais il y a des gens. Faut que je fasse gaffe aux gens. Ça c'est... Ouais, notre crew, on va la mettre un peu au feu. Hein. Les saloperies. Les saloperies. Alors eux, il faut vraiment se méfier. Hein. Les salauds, ils sont tous en train de nier. Si je me mets là, du coup... Ah, je les ai. Tire à la tête. Ah, on va se la tenter, vas-y. Bon, ça l'a pas buté. Ça lui a fait mal.
J'ai un peu de marge dans le sens où ils sont loin. Il faudrait que... Non, non, non. Comment est-ce que je pourrais revenir un petit peu l'épauler là, de manière intelligente? J'hésite, j'hésite. J'hésite beaucoup même. Bon, toi tu vas avancer en fait jusque là. Vigilant. Ok. Non, je vais pas monter sur le toit. Ah, c'est le deuxième snipe. Ah, deuxième snipe, je pourrais avancer jusque là. Allez. Merci, je bouge. Ah, j'ai envie de me mettre par là avec lui. Et puis toi, tu vas tirer comme ça. Et puis l'autre, je peux le blesser un peu. Ouais, 45%. C'est parti. Yes. Pas mal. On va rester en vigie des fois qu'il repasse dans la ligne de mire. Pour le sulfater propre en ordre. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle des poteaux. Ouh, par où ils vont? Ça, ils m'ont fait tellement mal, je m'en souviens des fois. Si je vais avec jusque là avec Dim, j'aurais pas de solution de tir. Dim. C'est que je me méfie. Ils sont tout là-bas au fond. Je vais commencer à me mettre en position par là. Je confirme la position. Je m'approche un petit peu. Pas oublier qu'il faut que je sauve des gens, parce que si j'y vais à tout petit pas et puis qu'il y a les araignées qui les bouffent un par un. Alors, 75%, bam, allez, allez. J'en ai besoin. Oui. Comme ça, on est tranquille sur notre flanc gauche et je peux avancer un peu plus sérieusement. On va se mettre jusque là, en semi-couverture. Puis il faudra mettre les deux snipes et puis je me demande s'ils vont pas arriver par la porte au fond. Là, je suis à couvert. Tous prêts à tirer pour les... Vraiment les... Parce qu'ils ont plein de points de vie en plus, ces saloperies. Ah, ils font le tour par là. Oh là 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 là. Ah là. Allez, vas-y, vas-y. Ah, complètement tiré à côté. Ouais, ça, j'espère bien, ouais. Il y a un autre tir en vigilance ou quoi? Allez, tu me le loupes pas, celui-là. Ouais, 4 points, c'est déjà ça. Ça avance vite, c'est ça le prix, ça avance vite. Putain, ça braille de tous les sens. Bon, alors. Shannon, t'as de la mune. Tu tires bien, tu fais mal, tu me nettoies ça, propre en ordre, hein. C'est toi le patron là. Voilà. Bam. J'aime bien comme il fout sa tête en arrière et puis il bazarde tout. Alors, faut pas oublier qu'il y a une autre petite araignée dans le coin. Alors, ça bougeait un petit peu sur la gauche. Il faudrait que j'aille un peu plus près des gens là. Allez hop, on va se mettre ici en vigilance. Non, je peux pas me mettre en vigilance avec ça. Je suis con, j'ai oublié, il a pas encore le SP pour. Allez, si je m'avance un peu... Non, je vais pas m'avancer avec le snipe. On va rester là. J'avais dit que je faisais attention. Alors, on va faire attention. Là, je pourrais aller jusque là. Et me mettre en vigie. Alors, on va pas recharger, on va se mettre en vigie. Alors, Dim. Jusque là, en vigie. Des fois qu'il y a une autre petite araignée qui décide de rentrer dans la danse. Si je me mets là en vigie, ça pourrait être pas mal aussi à la limite. Parce qu'elle est peut-être en train de faire le tour. Non, elle a buté un civil. Ok. Ok.
Alors si je vais là, normalement je le libère. Je vous tiens. Allez. Tiens, il a vu quelque chose, quelqu'un. Je vais rester en vigie. Le snipe. Allez, ici. Ah ouais, qui est-ce que je vois là? Bah voilà, elle était là. Vas-y, Dim. Ouh, je crois que c'est la première fois qu'il me loupe quelque chose. Oula, si je me fais buter, Dim. Je vais peut-être avancer jusque là en vigilance. Est-ce que je le vois? Non. Ouais, vigilance, ok. Et puis l'autre snipe, on va se mettre ici en vigie. Ah non, je croyais que j'aurais une solution de tir. Ah, mais je peux pas me mettre en vigie, j'ai oublié. Alors, position défensive. Maintenant, il va venir vers moi, je pense. Oui, non, non, oui. Non, il s'est cassé avant, j'ai droit à un petit tir en vigilance. C'est déjà ça de pris. Je crache pas dessus. Je sais que ce n'est pas très professionnel. Il les transforme en zombies. Super. Ah oui, il faut que je me fasse cette araignée si elle me fait tous les mecs en zombies. Encore la vigilance. C'était rentable. Ah ouais, 8 PV quand même, hein. Enfin 10 PV même. Stop! Oh là, il y en a 5 qui sont tués, moi je vais pas y... je vais pas réussir à en sauver beaucoup, hein, franchement. Shannon, j'aimerais lui économiser un peu de mun. Toi, t'en as presque plus, il faudrait recharger. Dim, non, on va faire plutôt pour l'autre sniper, essayer de lui donner quelques... point d'XP. Allez, tu me te loupes pas là. Voilà. Comme ça, on va en profiter pour un petit peu reprendre de la mune. Toi, tu vas aller jusque là pour libérer au moins un civil. Ça en fait déjà deux. On se recharge. Ok. Si je fous un autre détecteur, voir ce qui m'attend par là. Est-ce que je... Voilà. On a un œil dans le ciel. Ah merde, je croyais que ça allait passer à travers. Je préfère autant recharger pour être franc. Boum, boum et boum. Merde, elle est là! Bon. Autant vous dire que c'est tant mieux que j'aille recharger un petit peu. Allez, toi tu vas prendre maintenant. Non, mais c'est pas vrai. Oh, ça je déteste. Ça je déteste. Bon, Else Klein. Tu me fous une bastos entre les deux yeux. Allez, non, c'est pas possible, bordel les mecs. Shannon, qu'est-ce que je fais? Je balance la roquette là pour être sûr que... Moi je m'en fous, il y a personne derrière, il n'y a pas de civil. Je l'englobe pas dans la zone d'effet. Non, allez bam. T'as pas intérêt à tirer à côté. Ça, c'est fait. Non, non, et moi je prends pas de risque avec ces saloperies, hein. C'est trop de la merde. Allez, on va jeter un coup d'œil par là. Ah, c'était radical. Ça c'est pas... Bon, on va se recharger, tiens. Même s'il me reste encore 2-3 balles. De toute manière, je peux pas me mettre en vigilance. Ah, il y en a à l'étage aussi. Bon. On va avancer un petit peu. Shannon. On va aller jusque là. Ah, mais il y a pas... Je suis pas couvert là. Bon. Vigilance. Toi, tu as acheté un coup d'œil. Est-ce que je peux me mettre par là? Ouais. J'y vais.
Alors, Dim, comment tu vas nous couvrir l'histoire? Bah, Dim va aller jusque-là. Gasparato. Allez. Là, ça a l'air d'être à peu près découvert. On va sauver une autre vie. Compris, j'y vais. Bougez-vous, vous êtes en sécurité. Voilà, j'en aurais sauvé 4. Il en reste plus que 5 de toute manière. La majorité est quasiment tuée déjà. Ah, je sais pas comment j'aurais pu faire beaucoup mieux. Hein. Bah, je pense que c'était mieux faire cette mission en sauvant quelques-uns plutôt que d'ignorer. Ah ah, c'est dans le dos. Oh là là, ça vient par là derrière. Le truc, c'est que je sais pas trop à quoi m'attendre. Bon, allez, Heidi, on va aller là, j'ai Shannon au pire. Gasparato. Je suis pas méga couvert par là, hein. Bon, si je me mets à découvert avec Gasparato, et puis en vigilance, peut-être que... Alors, avec les deux qu'il y a là, on pourrait vite... Oh, il faut que je me recharge. Bon, en couverture. Et puis toi, tu vas venir jusque... Hein, Shannon, où c'est que je te bouge? On va se mettre les deux en vigie côte à côte. Non, ici. Alors, je vais jusque là. En espérant que j'aurai pas besoin de ma couverture. C'est bon. Voilà. Ça va. C'est pas des saloperies d'araignées. Là, ils sont en vigie. Alors, je vois personne. Là, voilà. Je crois que je vais pas me trop encore me m'emmerder. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je peux pas. Merde, je peux. Ah, la roquette, il faut pas que je bouge. Bon. Vigilance, non. Mais par contre, un tir, 60% de précision. Et voilà, Shannon est de retour avec sa sulfateuse. Bon, on va se replier par ici. Bien, chef. Il me semble qu'il y avait du bruit par derrière. Alors je me suis quand même bien séparé là avec les potes. Je pourrais aller jusque là en vigilance. Je suis assez loin. D'accord. Je m'attente. Et puis en couverture là, à côté. Si jamais on nous reprend à revers, Gasparato, il devrait faire le taf. En tout cas, il a intérêt. Ah, on va profiter pour se recharger. Ok. Alors, est-ce que c'est par là que ça bougeait? Alors là, je sais qu'il en reste un. Il est caché par là. Alors, on va avancer jusque là. On va s'avancer jusque là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté. J'ai pas compris la perspective, bordel. Toi, tu restes tranquille ou par là. Laissez-moi comprendre, il est où? Attends, il faut que je tourne un petit peu. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Ah, il est dans un de ces trucs. Ah, c'était comme ça, j'aurais mieux fait de me tourner avant. Mais enfin bon, c'est fait. On va aller jusque là, on va sprinter avec Shannon. Je vois pas la petite icône, c'est bizarre. Toi, va à côté. Et je me demande où il est, j'ai pas bien compris. Ah, il est dedans, hein. Ah non, il est plus loin. Je me demande si c'est pas le dernier ou l'avant-dernier. Bon. Toi, tu vois quelque chose ou pas?
Bon, c'est Shannon qui tanque le plus, hein. Voilà. Il était là. Allez, Shannonounet. Sulfatage. Ah, il a pas buté, merde. Ensuite, vous, ouais. Comment on va regarder cette histoire? Va falloir qu'on sorte un peu. Ouais, je vais me mettre là, à couvert derrière. Dim, bah s'il vient ici, enfin elle vient ici, voilà, un petit tir dans la tête. Ah là, là. 9 points de dégâts. Tous les objectifs ont été accomplis. Oh bah pas mal finalement. Enfin c'est médiocre qu'au niveau des civils, 8 sur 18. Bah cool. Cool. Voilà. Ah bah. Major. Cool, parce que si j'arrive à lieutenant, je pourrais avoir une escouade un peu plus grande, en tout cas achetée. Commando pour la nouvelle. Alors, juste pour Dim, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Bourreau, visée plus 10 sur les cibles ayant moins de 50% de santé. Améliore les tirs réflexes, supprime la pénalité de visée et permet les coups critiques. Ah ouais, avec tout ce que je fais en vigilance, je vais prendre ça. Alors, ok. Promouvu. Et j'ai une nouvelle médaille. La Croix Internationale du Service. Ah, c'est parce que j'ai fait... je sais pas pourquoi. Visiter la caserne pour choisir une capacité spéciale pour cette médaille, la renommée et la décerner à un soldat. Des récompenses supplémentaires sont disponibles pour les médailles suivantes. Visiter la caserne, badge de combat... Bon, on va regarder ça vite fait. Qu'est-ce que j'ai gagné? Autopsie de Chrysalis. Ah oui, faut... j'ai toujours pas avancé dans la mission de base. Il faut que je capture un putain d'alien. Hein. 8 fragments d'armes. Ok. Opération Regard Caché. L'expédition déployée dans ce pays a arrêté l'attaque touchant la ville d'Edmonton. Indice de panique en baisse de 2. Bon bah c'est toujours ça de bon à prendre. Canada, bon voilà, mais c'est vraiment en Europe hein, où c'est dur, dur, dur. J'ai 253 plus 300 mensuels. Les événements, tac, 488, le rapport du conseil dans 14 jours. Les soldats, donc on avait vu ça et il me reste 4, 3, 10 jours. Ok, bon, ça va. Ouais, moi, il me faut que Siora qui revienne, là, parce que c'est un de mes gradés. Mais écoutez, on va avancer un tout petit peu encore au niveau de la surveillance, voir si on peut faire le labo. Non. Déjà. Bon, bah écoutez, vous savez quoi, je pense que là, ça va prendre un petit peu de temps, ça va être long sinon, et puis je pense que je vais faire cette mission en off, histoire de pas alourdir le truc, parce que j'aimerais avancer dans l'histoire, ça traîne un petit peu. Donc, ce que je vous propose, c'est que bah on s'arrête ici, ça fera un épisode un petit peu plus court, de à peine 24 minutes, c'est pas grave, et puis je ferai cette mission en off pour avancer, pour qu'on aille en fait le labo de cybernétique, les lasers de précision, terminal de liaison, en gros jusqu'au prochain rapport du conseil. À moins qu'il y ait une mission vraiment un peu qui sort du commun, comme celle qu'on vient de faire maintenant, j'avancerai jusqu'à la suite. Alors voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit. C'était DRK36 sur XCOM et je vous dis à très bientôt. Ciao !